L'avenir de la mobilité en Suisse, c'est quelque chose qui est fondamental pour la croissance du pays. Là, on est aujourd'hui très mobile, on le sera toujours plus, et je pense qu'on aura un avenir rose de la mobilité, si j'ose le dire comme ça, dans le sens que les gens vont de plus en plus se déplacer, vont de plus en plus utiliser des moyens de transport, et de ce fait-là, à contribuer à rendre notre société plus mobile. La mobilité à la demande, la mobilité partagée sont très tendances aujourd'hui. Elles font partie de ces nouvelles formes de mobilité comme la mobilité combinée et je pense qu'elles vont contribuer à nous rendre plus mobiles et c'est là l'essentiel. Les CFF s'intéressent à toutes les formes de transport, y compris au transport automatisé. Ce type de transport automatisé fait partie d'une chaîne de transport et pour nous, comme très gros acteurs de la mobilité, c'est important de bien connaître tous les éléments de cette chaîne. Et les transports automatisés sont extrêmement passionnants dans ce domaine-là. Une collaboration étroite entre les hautes écoles, les entreprises, le monde industriel est très importante. Cela permet en fait de mettre sous un même toit différentes connaissances, différents savoirs et ainsi de faire progresser un sujet. C'est le cas par exemple dans le domaine de la mobilité autonome où une collaboration très très étroite a permis d'aller bien au-delà de ce qui aurait été possible si chacun des acteurs avait travaillé individuellement.